Yo tout le monde, c'est Twitch, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de La Vérité Sûre et je suis accompagné, donc vous aurez pu le voir dans le titre. Salut Tonio. Yeah yeah yeah, les gens, c'est Tonio. Ah, ça va? Bah bien, et toi? Écoute. Ah tranquille. Bah écoute, on s'était dit de se faire un épisode de La Vérité Sûre un jour tous les deux. Ouais, du ça coup, fait bah, très longtemps qu'on avait, ouais, prévu de faire ça. Ça faisait un moment, donc du coup, bah, enfin. Voilà. Bah, je vais laisser présenter ta chaîne avant toute chose. Bah alors, ma chaîne, je pense qu'il y en a quand même certains qui doivent me connaître de tes abonnés. Ouais. Donc c'est principalement sur du Call of Duty de toute façon. Moi, c'est plutôt, on va dire, des vidéos basées sur la performance avec un petit peu aussi de temps en temps d'humour. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu en gros ce que tout le monde fait un peu en ce moment. Donc toi, c'est vrai que t'arrives à te diversifier plutôt à diversifier un petit peu tes vidéos, à vraiment de te détacher des autres youtubeurs bah, par tes sujets intéressants, donc sur La Vérité Sûre. Ouais, bah merci. Voilà, bah, présente un petit peu ta chaîne toi maintenant. Ouais, c'est ça qui m'a fait un petit peu décoller. Ça fait 4 mois que j'ai commencé cette série. Et puis bah là je suis presque à 10 000 abonnés. Donc le but c'est de parler de sujets que tout le monde a déjà entendu parler mais ne s'est pas forcément intéressé à ces sujets. Donc par exemple la zone 51, les Illuminati, les francs-maçons, les extraterrestres, le 11 septembre, enfin bref, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça s'il y en a qui sont intéressés. Donc avant toute chose, je voulais te dire merci d'avoir accepté. Enfin, ça faisait un moment, on l'a dit, mais c'est cool d'avoir pu faire ça. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Bah oui, bah moi ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs là, comme bien sûr, on fait un duel ensemble. Donc moi, ce sera mon gameplay. Donc ça sera certainement une Mobo Couteau que vous aurez en fond. Et justement, pour aller un petit peu, pour faire un petit clin d'œil au gameplay, on va parler donc un de tes sujets à toi, donc La Vérité Sûre, qui sera donc Jack l'Éventreur. Donc j'ai trouvé plutôt voilà le petit clin d'œil sympathique. Donc tu veux que je commence la présentation, c'est vas-y, ça commence. Donc alors je vous explique, donc Jack l'Éventreur. Donc c'était un tueur en série, donc c'était un des premiers tueurs en série reconnus. Donc c'était au 19e siècle, donc principalement sur une année, donc en 1888. Où en fait il va faire une série de 5 meurtres d'affilée, donc il a fait un sanguinaire hein, pour ceux qui sont fans de Call of Duty. Il a principalement tué donc 5 prostituées, donc des petites prostiputes, vers Whitechapel. Donc bon, c'est un quartier de Londres, un quartier pauvre. Donc les prostitutes, elles étaient plutôt assez âgées. Hein. Généralement, il aimait bien les petites cougars. Hein. C'est-à-dire qu'elles avaient plutôt principalement vers 40 ans, à part une qui avait donc 25 ans. Et ensuite, il tuait principalement. Donc lui, c'est un dingue de la street, tu vois. Donc il aimait bien tuer dans la rue. Il en a tué. Donc la quatrième, par contre, il l'a tué dans un immeuble. Et donc c'est vrai qu'il aimait bien les petites impasses, les petites ruelles. Enfin voilà. Donc en même temps c'était un gros avantage à Londres à cette époque parce que les rues étaient très peu éclairées, donc il y avait énormément de petites ruelles et ça arrivait très souvent qu'il y ait des rapports sexuels tout simplement dans ces petites rues et tout ça. Donc voilà, il s'est servi en gros de son environnement pour tuer. Et apparemment il tuait pas loin de chez lui. Donc, voilà, donc, ouais, donc principalement c'est vrai qu'il tuait dans un secteur assez proche quoi, ouais, et c'est ça qui a un petit peu fait parler de lui puisque t'as tout Londres qui parlait de cette affaire et qui s'inquiétait, donc surtout les gens qui habitaient pas loin quoi. C'était l'ennemi numéro 1 à l'époque. Donc du coup tu vas nous dire pourquoi il était il faisait si peur quoi. Tu vas nous dire comment il tuait ses déjà victimes. Rien que son nom hein, Jack l'Éventreur. Donc déjà on peut y avoir un petit peu son mode de sa procédure pour tuer. Donc d'abord en premier lieu ce qu'il faisait c'est il égorgeait. Comme ça tac c'est fini, plus de tête. Enfin voilà, il égorge donc hop. Donc on va dire tout simplement il les égorge. Donc à partir de là elles sont quasiment mortes hein, ou alors elles se vident de son sang très rapidement. Et ensuite c'est là que ça devient intéressant, c'est à dire qu'il a un petit mode de charcutier un petit peu. C'est à dire qu'il les éventre, donc il retire les viscères. Donc pour ceux qui savent pas, les viscères en gros c'est les intestins, les reins, l'utérus par exemple. Parce que généralement comme je l'ai dit c'était des prostitutes, donc c'était des femmes. Et voilà, donc c'est un petit peu son mode de fonctionnement. Et ensuite il retire donc les viscères pour leur mettre sur l'épaule. Donc on va dire lui il faisait pas dans la dentelle, c'est à dire qu'il y allait hein, quand il voulait. Sac à main. Voilà. Boum. J'avoue, sac à main, c'est exactement ça. Enfin bref. Donc après bah Hitchfight, vas-y toi raconte un petit peu plus les détails. Toi parce que. Bah les détails en fait il y a eu plein d'enquêtes qui ont été faites là-dessus, il y a eu plein de livres, de films qui ont été faits suite à ça. Ouais, ouais. Et le souci numéro un c'est qu'on n'a jamais su qui est-ce qui avait. Ah oui, ça je l'ai pas précisé, ouais, il a jamais été découvert. Ouais, même aujourd'hui. Bon, il y en a qui disent qu'il l'aurait découvert, et il y en a, ce qui nous a un petit peu intrigué, il y en a qui diraient que ça aurait pu être une femme. Et en gros, il y a un détective
qui était chargé de l'affaire en 88, qui n'avait pas exclu cette hypothèse. Il avait dit, bon, toutes les hypothèses sont possibles, mais bon, ça peut être aussi une femme, vu le mode opératoire, c'est pas impossible. Et dans les années 1930, en fait, il y a une piste d'une sage-femme qui a été évoquée, qui à l'époque pratiquait des avortements clandestins. Et avec les techniques actuelles, donc en 2006, il y a eu des prélèvements ADN sur les lettres qu'avait écrit ce Jack, qui en gros, avec l'ADN qui a été récolté, ils ont prédit que ça pouvait être une femme, et cette femme, d'après les suspects de l'époque, ce serait une certaine Mary Percy, je sais pas comment ça se dit, hein, c'est Percy Percy, ouais. Qui a été exécutée en gros en 1890 pour avoir égorgé la maîtresse de son mari. Donc déjà c'était un bonhomme, hein. C'était un bonhomme la nana. Et donc ça aurait pu être une femme, cette Mary Percy qui se serait amusée ou fait passer pour Jack l'Éventreur. Ouais, voilà. Donc faut savoir aussi que faute d'avoir mis la main sur le meurtrier, au fil du temps, ça fait maintenant plus de 100 ans, hein, ouais, c'est ça, ça fait plus de 100 ans qu'on l'a pas retrouvé. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de romanciers, de criminologues qui ont essayé de trouver qui est-ce que c'était ce Jack. Et il y a eu plein de plus de 40 suspects, je crois. J'avais trouvé ça dans un article. Ah ouais, non, 40... mais ça a été une grosse enquête. Même ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, même si par exemple, moi qui n'étais pas du tout un gros spécialiste des tueurs en série ou des meurtriers, on connaît tous, entre guillemets, pas forcément l'histoire, mais on a déjà entendu parler de Jack l'Éventreur, quoi. Voilà. Ouais, et en tant que suspect, il y a eu un mec qui s'occupait des pompes funèbres, pardon. Il y a eu un impressionniste, donc. Ouais, il y avait eu un docteur, j'ai vu aussi, il y avait plusieurs personnes. Aussi, on a oublié de dire un truc, c'est que le tueur, donc il y a eu des enquêtes, les mecs là, qui font là, en gros l'état psychologique du meurtrier, un petit peu. Ouais, le profilage. Ouais, le profilage, c'est ça, exactement. Donc, et donc il pensait qu'il avait entre 25 et 30 ans, ça aussi. Ouais. Et explique un petit peu ce que tu avais dit là aussi, tu m'avais dit. Que 25-30 ans, que vas-y. Ouais. En gros, il y a eu des enquêtes qui ont continué malgré que cette personne soit morte et que le temps avance, quoi. Et il y a deux détectives, un certain Douglas et un autre qui s'appelle Hazelwood, qui ont établi donc le profil psychologique du meurtrier, donc de Jack. Et je l'appelle Jack, tu vois, je le connais. Et selon les techniques de notre époque maintenant, donc du 21e siècle, il était possible de savoir comment il pensait et comment il établissait ses meurtres. Donc pour les deux profileurs, Jack l'Éventreur était un prédateur nocturne, donc il agissait seulement la nuit. Le jour, il avait une vie tout à fait banale. Il recherchait ses proies sans défense, en fait, pour assouvir des fantasmes sexuels à la base. Donc c'était pas... apparemment, il les violait avant, c'est peut-être pour ça qu'il retirait le vagin l'utérus des femmes. Pour éviter qu'on le voie, je ne sais pas pourquoi. Il était impossible aussi de prévoir à quel moment il aurait pu frapper. Et en gros, il saisissait l'occasion lorsqu'elle se présentait. Par exemple, il voyait une prostitute, comme tu dis, dans une ruelle sombre. Il avait une pulsion, c'était un malade, quoi, et il y allait. Non, ouais, c'est pour ça, ouais. Il était, comment t'as dit là, je sais même plus. Ouais, les meurtres n'étaient pas prémédités du tout, ouais, c'était une pulsion, voilà, c'était instantané, il avait envie, tac, il se fait une petite prostitute et après il la tue, quoi. Ouais, et donc, d'après toujours ces deux profileurs, comme tu l'as dit, c'était un homme blanc, ça ils le savent, puisque je ne sais pas comment... Bah, à Londres, c'était surtout des blancs, donc ouais, c'est donc, pas... âgé de 25 à 30 ans, d'intelligence moyenne. Pourquoi je vous dis ça? Puisque tout simplement, les deux spécialistes, ils se sont dit que Jack l'Éventreur, en gros, il fut plus chanceux qu'il n'était intelligent. En gros, il y a eu un crime qui a été... ouais, il y a eu un crime où il a failli se faire avoir, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le corps, il était encore chaud. C'est ça. C'était un des morts, d'ailleurs, il n'avait pas eu le temps de l'éventrer, donc son mode de vraiment... Voilà. C'était d'égorger puis d'éventrer, mais là, il n'avait pas eu le temps de l'éventrer, il l'avait juste égorgé, donc vraiment, il a eu beaucoup de chance, je pense. Voilà. Et ils ont dit aussi, c'était sûrement un célibataire, un mec qui s'était jamais marié, qui n'avait... Il jouait aux jeux vidéo, même à cette époque, ouais. Vous avez vu, il jouait aux jeux vidéo, ils avaient pas de copie. Il jouait à Pac-Man et tout. Voilà. Et c'était... Il a pas eu vraiment de relations sexuelles avec des femmes, il a pas vraiment eu de relations sociales, en fait, même avec des mecs,
ils ont dit qu'il aurait pas vraiment d'amis, c'était plus un mec renfermé quoi. Et il devait avoir de grosses difficultés pour communiquer avec avec les autres. En général, de toute façon, tous les marteaux qui butent comme ça, c'est généralement c'est un peu, ils ont toujours le même profilage, tu vois. Voilà. Et puis après, ce qui était sûr, c'est qu'avec les moyens de locomotion de l'époque, il habitait dans la zone où les meurtres étaient très fréquents. Ouais, voilà, où les meurtres se faisaient quoi, puisque fallait bien qu'il rentre chez lui après avoir fait toutes ses affaires. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur son profilage. On n'a pas dit pourquoi il aurait arrêté. Ah voilà, ensuite, ouais, très intéressant parce qu'en fait, les mœurs se sont étalées en gros sur une période de 6 mois. Donc uniquement sur l'année 88. Et donc après, on s'est posé la question, moi le premier, pourquoi est-ce qu'il a fait 5 meurtres et après il a arrêté. Donc il y a plusieurs explications, vas-y. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'à la nuque, il s'est arrêté à la sanguinaire. Voilà, il s'est arrêté à la sanguinaire. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'il a cassé son couteau ou enfin voilà. C'est ça. Et en fait, il se serait brusquement interrompu dans ses pulsions. La seule hypothèse qui reste plausible, puisque personne n'a jamais pu l'expliquer, et puis on peut pas vraiment l'expliquer puisqu'ils n'ont jamais. Ouais bah oui, parce que voilà, ils n'ont jamais retrouvé le tueur. La seule hypothèse, ouais, ce serait qu'il soit mort juste après d'avoir commencé cette série quoi. Et il s'est fait niquer par un campeur. Donc c'était en RD et c'était il serait mort et le seul moyen de trouver peut-être le meurtrier de Whitechapel, ce serait de regarder dans les rubriques nécrologiques des Anglais morts fin 1888. Mais bon, il y a tellement de personnes qui. Ouais, non, mais ça serait vraiment très compliqué. Surtout qu'à l'époque, on n'était pas fiché comme maintenant, donc il y avait beaucoup moins de. Ouais. Et puis c'est pas. C'est ça un petit peu qui permet de. Mais ça, c'est ça de lui qui a fait un mythe aussi. De faire vivre ce mythe de Jack l'Éventreur. Tout simplement. Qui depuis plus de 100 ans fait toujours parler de lui. Il y a eu de nombreuses enquêtes. Il y a une dame qui a sorti un livre aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a eu énormément d'adaptations, de films au théâtre. Donc, beaucoup de choses. On a à peu près tout dit. On a tout dit. De toute façon, là, ça fait plus de 12 minutes. Donc, on va pas non plus s'attarder encore plus, je pense. Moi, je voulais juste rajouter une chose. C'était merci d'avoir accepté. Merci. Ça fait plaisir. Moi, je dis surtout allez voir la chaîne de Hitchhash. Franchement, vous serez pas déçus si vous avez aimé ce genre de sujet. Justement, c'est ce qui est pas mal, justement, dans ce genre de truc, c'est que ça permet pas forcément qu'on n'a pas forcément les connaissances, c'est-à-dire qu'on a tous entendu parler, par exemple, de Jack l'Éventreur, mais on connaît pas bien l'histoire et tout ça. Ça, en fait, ça permet d'allier jeux vidéo et culture en même temps. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. En gros, je fais les recherches pour vous. Voilà, si vous avez un exposé à faire. C'est exactement ça. Vous allez voir les vidéos d'Hitchfy et puis vous dites ah tiens, ça pourrait être intéressant, hop, vous regardez la vidéo de 13 minutes, hop, vous avez l'exposé 19/20. Et puis après moi du coup faut que je fasse la même chose puisque bon, à mon niveau j'ai pas encore ton nombre d'abonnés ni le même public que toi, mais pour tous ceux qui aiment vraiment la 10 000 abonnés c'est pas mal. Puis tu prévois, tu mets quand même aussi des vidéos performance sur ta chaîne, et en général c'est aussi du Call of Duty, donc voilà. Ouais, je suis sur du Call of Duty, je reste un peu sur du fun, donc vraiment à mon niveau, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui aiment vraiment les nucléaires, qui aiment tout ce qui est donc performance, tout ce qui est viol, vous allez kiffer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Otonio, de toute façon ce sera en description, puis il est bien référencé, il y a juste à taper, vous trouverez direct. Il y a pas de souci. écoute, merci. Merci à toi, puis à la prochaine, écoute. Et puis on garde. Bisous sur le téton gauche et sur le téton droit, ça, si je le dis pas. Allez, de même. À plus.